Gloire à Jésus, le Dieu de l'impossible. Le Seigneur Jésus continue de manifester sa présence dans le Réveil, le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Nous venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. Récemment, après un entretien avec son serviteur, le prophète Esdras de l'église Jésus revient à Yaoundé, au Cameroun, notre sœur Shalom, qui était stérile depuis des années, a miraculeusement donné naissance à un enfant suite à des paroles puissantes de déclaration et de prophétie. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Découvrez les détails de cet événement extraordinaire. Et toi, qui vis des situations similaires, c'est aussi l'heure de ton témoignage. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. À quel temps sommes-nous? Alléluia. Il y a quelques temps seulement. Amen. Votre bien-aimé n'a pas personne à mort, mais strictement, elle se trouve avec quelqu'un à mort. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je me demande, elle se trouve avec quelqu'un à mort. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris le bébé de quelqu'un ou... Alléluia! Amen! Père de Dieu, je bénis le Seigneur Jésus et je ne cesserai vraiment de bénir le nom du Seigneur Jésus pour tous les miracles qui ne cessent de manifester, pour sa fidélité et tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alléluia! Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est un Dieu fidèle. Et tout ce que nous demandons vraiment avec foi, cela n'est pas demandé en vain. Amen. Cela n'est pas demandé en vain. Alléluia. Permets-moi de prendre une Bible. Ah, mon fils. Mon fils. Alléluia. Il me regarde. Amen. Peuple Dieu. C'est une grâce vraiment que le Seigneur accorde au couple Pasteur Amos et la bienvenue Shalom. Alléluia. Peuple Dieu, avant de passer à la consécration, j'aimerais vraiment faire moi ce témoignage. C'est vrai, ils vont témoigner. Amen. Amen. Mais j'aimerais rendre ce témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que je vous l'ai déjà arrêté. Ce bébé n'est pas fruit du hasard. Amen. Il n'est pas fruit du hasard. Je me rappelle un jour, c'était été là, ça rappelle. Amen. Un jour, c'était devant le peuple de Dieu ici. Alléluia. Un jour, c'était devant le peuple de Dieu ici. Alléluia. Il y avait une présidence qu'on faisait, président. Et lors de la présidence, le Saint-Esprit me marque d'appeler tous ceux qui ont des soucis. Parce que je sentais à moi que plusieurs parmi son peuple ont des soucis, des pardons dans le cœur. Mais quand ils viennent pour louer, adorer Dieu, c'est que c'était pour. Amen, c'était pas vraiment de leur cœur. C'était vraiment du cœur qu'ils le faisaient. Alléluia. Et plusieurs sont venus. Vous avez été témoins, ceux qui étaient là. Plusieurs avaient parlé. Plusieurs avaient expliqué leurs soucis. C'est là que je me suis rendu compte que, oh, non, c'était vrai. Alléluia. Et parmi ces personnes, ma bien-aimée Shalom, il était. Je me rappelle très bien de ce jour. C'est ici où je suis là qu'elle était à genoux. Alléluia. Devant tout le peuple. En larmes. Et elle pleurait abondamment. Elle disait qu'elle a un problème, elle n'arrive pas à coucher. Enfant. Elle est stérile. Elle n'arrive pas à enfanter.
Mais là, ce n'est pas une confirmation. Parce qu'en principe, l'Esprit du Seigneur me parlait là-dessus depuis. Quand il la voyait, je sentais ça. Mais elle n'avait pas le courage de lui dire ça directement. Je l'ai mis d'abord ici. Mais ce jour, elle a dit ça. Ah, oh, désolé mon fils. Comment il veut t'exposer comme ça, quand même? Tu es quand même un beau gosse. Alléluia. Et elle était en larmes. Et devant vous tous, vous-même avez écouté ce qu'elle disait. Amen. Elle disait qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle pleurait. J'avais moi-même mal. Et je sentais le cœur de Dieu touché. Je vous le dis. Et c'est là que l'Esprit Seigneur conduit la présence. Et devant vous, j'ai prié pour elle. On a prié pour elle. Alléluia. On a attaqué tout ce qui bloquait. Et une révélation était sortie que l'origine même était un blocage et ça venait de quelque part. Et je lui avais parlé de ça, elle avait reconnu que lui, c'est vraiment là-bas. Parce qu'en priant pour elle, j'avais vu ça. Et c'est ça, c'est l'origine que j'ai attaqué. Et du coup, il y a une prophétie qui a été donnée sur sa vie. Si vous vous rappelez bien, que ma soeur, ça va. Je te le dis en vérité là. Comme je te parle là, tu vas enfanter, tu vas accoucher. Amen. Et ce n'est pas tout, hein. J'ai encore dit, de toi sortira un serviteur de Dieu. Amen. Ok. Moi, je ne sais pas, j'attends aussi. Shalom, c'est que suivant si je prie, je demande à Dieu, c'est par rapport à ma santé. Ça fait déjà 2 ans. Attends. Est-ce que c'est un problème que je connais? C'est quel problème de santé? Je souffre depuis le 2 ans de maladie, de bavard qui me dérange. Je ne parviens pas à concevoir. Je prie souvent, je demande à Dieu. Peut-être que Dieu m'a oublié de ne pas me guérir à cette maladie. Parce que j'ai déjà fait l'hôpital, j'ai marché déjà. Amen. Nous servons un Dieu vivant. 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 Le Dieu que nous servons dépend. Le Dieu que nous servons est capable de tout. Et c'est ce Dieu qui dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ma sœur, viens ici devant. Le Seigneur t'avait déjà parlé de cette situation. Alléluia. Ma sœur, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut régler la situation? Est-ce que tu as foi? Et tu crois que le Seigneur peut régler la situation? Tu crois? Tu es bon. Seigneur Jésus, Dieu tout puissant, toi le Dieu de guérison, si tu as donné un enfant à ça, à son âme, à combien plus forte raison est Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui l'as créé, toi qui l'as créé, c'est ta volonté, ô Dieu, de l'avoir à ce départ,
Seigneur, est-ce que tu veux la voir ici? Tu as dit à la parole, mon Dieu, que tu as fondé les projets de paix et non de malheur. Seigneur, tu l'as dit. Papa, tu l'as dit. Seigneur, vas-tu permettre que ce malheur arrive à ma fille, à ta servante? Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Par le nom de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Je déclare maintenant que ta situation de stérilité disparaisse au nom de Jésus. Bah! Et toi maintenant, au nom de Jésus. Que la situation de stérilité soit le temps. Seul le seul. Au nom de Jésus, toi, stérilité, pas. Bah! Et que chaque famille, tu n'as rien à faire dans sa vie. Je te condamne par le temps de l'air des amis. De libérer sa vie. Tu libères sa chair. Tu libères sa vie. Tu libères sa chair. Le Seigneur te restaure. Seigneur. Seigneur. Agis. Seigneur, agis. Je prie au nom de Jésus. Que ce qu'elle attend de demander, quelle ressource là? Quelle ressource là? Quelle ressource là? Quelle ressource là? Là où sa félicité est liée, je commande maintenant à l'ange de l'être d'aller prier, 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 d'aller prier. Il y a un ange qui est en train d'aller. Pour prier maintenant. Prends l'enfantement. La main de l'aide est sur toi et te touche maintenant. La main de l'aide est sur toi et te touche. Et ta situation d'infirmité est en train de tomber. 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 Tombe maintenant au nom de Jésus. Je prophétise maintenant sur ta vie. Par le nom de Jésus. Tu ressens maintenant la capacité d'enfanter. Tu ressens maintenant la capacité d'enfanter. Ta servante, cette femme qui est derrière ceci, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que ce qu'elle a du vraiment de sa vie, que cela rentre en elle-même. La situation a été mise à part les paroles. Je résiste dans le temps de toi. Je résiste dans le temps de toi. Je résiste dans le temps de toi. Par le nom de Jésus. Et celle qui a prononcé cela, que cela retourne. Seigneur, le sang de Jésus coule sur toi et te purifie maintenant. Et toute parole de malheur qui a été prononcée contre ta vie et qui a dit, tu n'auras jamais accouché. Moi, par le nom de Jésus, en tant que bouche de l'éternel, j'annule cette parole. Et je prophétise, je déclare. Là, on a déclaré sur la vie la mort. Moi, je déclare la vie. Là où on a dit, tu n'enfanteras pas. Moi, je déclare que tu enfanteras. Parce que c'est ce que Dieu est bien. Tu enfanteras. Saint-Esprit, commence à agir. Papa, agis dans sa vie. Saint-Esprit, agis dans sa vie. Saint-Esprit, agis dans sa vie. Saint-Esprit agit dans sa vie. Saint-Esprit agit. Papa, selon les soucis qu'il y a là, restaure-la. 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 Ah! Alléluia!
de toi sortira un serviteur de Dieu. Amen. De toi sortira un serviteur de Dieu. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Quelques semaines après, une à deux, ou c'est pas quelques temps après, je me rappelle, on était ici à l'église, on avait terminé à votre truc. Moi, j'étais même occupé dans mes marches là. Je sentais qu'elle voulait me voir. Je dis que, Charles, elle est venue me voir ici. Elle me voit essayer d'abord. Tu recules d'abord. Je dis, hey. Tant d'abord, tant d'abord. Je n'ai pas te poser ce que la veille. Alléluia. Et je dis, oui, ça va commencer. Elle me dit, ah, homme de Dieu, vraiment, les prières là, ça marche. Alléluia. Avec une voix. Amen. Et moi, je dis, j'ai dit à l'éternel l'oreille, dis-moi bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Homme de Dieu, en fait, je suis en scène. Je sais qu'il y avait une foule ici à l'église. C'est qu'il était dehors, je m'en rappelle, maman, je suis là. Je sais qu'il y avait une foule à l'église. C'est qu'il était dehors, maman, c'est quoi, c'est quoi? Pour mettre une petite église. J'ai dit, oh Jésus, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Et c'était pas fini. Comme je savais qu'elle était enceinte, elle m'avait dit une fois qu'elle avait eu un songe que c'était un garçon. Elle n'a même pas encore fait le test de l'échographie, non. Et voilà. Quelques temps après, c'est le pasteur qui me fait pas que lui avait eu un songe, la révélation du nom de l'enfant. Il dit voilà. Et le nom d'un homme aussi. Il dit voilà. Amen. Et le jour où l'enfant naît, c'est quel sexe? Un garçon. Il dit voilà. Il s'est arrivé. Et voilà aujourd'hui, un beau petit garçon. Un serviteur de Dieu. Amen. Un prophète. Alors que c'est l'enfant que Dieu veut t'acheter. Faut quand même les enfants qui vont nous prendre. On va à la retraite, son père, moi, nous tout ça. Ce sont eux qui vont nous remplacer. Alléluia. Donc, mon Dieu, je vous le dis. Si vous voyez même, si vous écoutez le nom même de l'enfant, le nom même c'est encore sans langue, ça ne prend pas quoi. Loan, ça veut dire quoi? Ouais. Lona Hami. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Rappelez-vous dans la Bible, comment est-ce que lorsque les enfants d'Israël recevaient cette grâce de Dieu là, ils donnaient les noms en fonction de ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Et c'est la même année que le pasteur également donnait un nom en fonction de ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui m'a donné. Donc c'est un cadeau du ciel. Amen. Tu as demandé, hein? Tu as demandé, non? Voilà, non, bravo! Donc Dieu, le Seigneur Jésus ne cesse de se manifester dans son église. Et je sais que il y en aura encore des gars comme ça. Amen. Et c'est la même manière que je déclame maintenant dans le nom de Jésus. Pour toi, sang, pour toi, homme ici présent, tu as promis stérilité. Ça te lâche maintenant. Amen. Je déclare sur ta vie que la stérilité quitte. Amen. Et tu en sens. Amen. Si Sarah a pu accoucher à quel âge, elle a accouché à quel âge? 90 ans. À combien plus forte raison la jeune femme, aussi charmante comme ça? Amen. Et je sais que c'est pas fini. Amen. Il y en aura encore. Amen. Ce n'est que le temps. Ça va. Il y a déjà ses petits frères, ses petits soeurs que l'on estime. Moi, il veut des mains d'abord. Il veut d'abord aller voir ce qu'il y a à l'extérieur là-bas. Amen.
Et c'est là que ce petit garçon, du nom d'Abednego, est né. Alléluia. Je vais rapidement le consacrer. Mais avant, j'aimerais que nous tous nous prions pour lui. Que tu déclares sur la vie de cet enfant toutes les paroles de bénédiction, les paroles prophétiques que tu peux. Alléluia. Tu déclares dans sa vie la bonté, l'élévation. Tu déclares dans sa vie celui-là qui va servir Dieu, un grand instrument de Dieu. Tu déclares dans sa vie tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Alléluia. J'aimerais que nous prions vraiment pour lui. Enfin, avant de passer à l'acte de consécration, tu élèves la voix et tu pries maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toi le Dieu, toi la chambre, toi le méga. Papa, je prie pour la vie de ce petit garçon, de cet enfant qui vient de toi. Je proclame dans sa vie, je prophétise dans sa vie l'abondance. Je prophétise dans sa vie, dans la vie d'Abednego, l'élévation. Je prophétise dans la vie d'Abednego, papa, qui sera un grand instrument. Lui, Seigneur, pour ta gloire. Papa, tu l'enverras vers les nations. Tu l'enverras vers les peuples pour proclamer ta parole, pour apprécier la vie. Seigneur, je déclare dans sa vie, Seigneur, qu'il ne chouera pas, mais il réussira. Je déclare dans sa vie qu'il ne mourra pas, mais il vivra. Seigneur, je prophétise dans sa vie le bonheur. Je prophétise dans sa vie la réussite. Seigneur, tu le remplis de grâce. Tu le remplis de grâce. Tu le remplis de miséricorde. Tu le remplis d'amour. Tu le remplis de compassion. Seigneur Jésus, je prie pour moi, oh Jésus, accorde-nous tous les faire de meilleurs pour nous. Papa, qu'ils ne connaissent pas les souffrances que nous souhaitons pour nous, mais qu'ils connaissent la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous allez chanter un chant, comme Dieu nous prie nous louer. Oui. La consécration. Vous savez, beaucoup d'enfants aujourd'hui se retrouvent sorciers parce qu'ils ont été initiés à la sorcellerie. Et s'ils ont été initiés, c'est parce qu'ils n'ont pas été consacrés à Dieu. Dès lors qu'un enfant comme lui est consacré à Dieu, il est intouchable. Il est intouchable. C'est comme même quand le sorcier va venir pour mettre un an, il y a un ange parce qu'il appartient déjà à quelqu'un. Thank you.
invisible et le monde surnaturel. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous te consacrons à peine. Je déclare. Sur la terre, personne n'est comme toi. Toi qui es Dieu de résurrection, toi qui es Dieu de vie, toi qui es Dieu d'enfantement. Seigneur Jésus, toi qui as fondé et t'appelé le mariage depuis le jardin d'Éden. Seigneur Jésus, depuis le jardin d'Éden, et tu as béni au Dieu l'homme par ses entrailles. Seigneur Jésus, ce que tu as fait au Dieu dans le jardin d'Éden, et tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie de ce que tu, au Dieu, as fait dans au Dieu mon foyer, de ce que tu as fait dans ma vie et de ce que tu feras dans la vie, Seigneur, de chacun ici présent. Parce que, Seigneur Jésus, nous avons répondu à ton appel. Parce que, Seigneur Jésus, nous t'avons suivi. Nous t'avons, oh Dieu, Seigneur Jésus, suivi pour te servir dans la fidélité, dans la loyauté et dans l'intégrité. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es fidèle en toutes choses. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, peuple de Dieu. Je vous salue. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait de cela presque 4 ans que nous sommes mariés. Nous sommes mariés en janvier 2021. Alléluia. Quand nous sommes mariés, nous n'étions pas encore dans le bain du réveil. Alléluia. C'est la même année que nous avons connu le groupe Jésus revient. Lorsque le Seigneur m'a appelé, et aller servir dans ce remède. Et nous n'avions pas d'enfants. Et au fur et à mesure, comme avancer avec l'œuvre de Dieu,
Ce qui est sûr, le Seigneur me rassure toujours. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Parce qu'il connaît ce qu'il a préparé pour moi. Des bonnes choses qu'il a préparées pour moi. Et j'avais toujours confiance en mon Dieu. Alléluia. De la même manière qu'il a béni la maison d'Abraham. La même manière qu'il a béni la maison et son serviteur Isaac. Et son serviteur Jacob. Et tous ceux-là qui sont dans la Bible. Il les a bénis. Il les a bénis par les enfants, par la progéniture, la même manière. Il va également me bénir. Alléluia. C'est lorsque, en 2023, que les choses se sont donc accomplies et le Seigneur a dit que mon épouse, la servante de l'Éternel Shalom, enfante. Alléluia. Et dans le sens que le Seigneur avait déjà révélé le nom et que je dois donner à cet enfant. Donc, comme le prophète vient de déclarer, c'est ce nom que j'avais reçu, j'ai gardé ça. Et quand l'enfant est né, et c'est ce nom, donc, cette fois m'a convaincu de lui donner. Et il porte le nom de Luna Amia Amos Abednego. Voici son nom. Le diable combat beaucoup de foyers. Et surtout, il ne veut pas que le foyer chrétien soit uni. Il ne veut même pas qu'il règne dans le foyer. Quoi, il va utiliser une stratégie pour qu'il y ait des guerres, pour qu'il y ait des discords, pour qu'il y ait des divisions dans le foyer. Parce qu'il sait que si le foyer est uni, si le foyer est un, et quand ce foyer c'est un, pour prier, ça fait trembler le monde des ténèbres. Alléluia. Et le Seigneur prend également l'image du foyer, le foyer chrétien pour comprendre son église. Alléluia. Amen. Et lorsque le foyer est bâti sur le roc, le diable ne fera rien contre ce foyer. Gloire à Jésus. Donc, pendant son état de grossesse, elle suivait les examens, et maintenant à la veille donc, de l'accouchement. La veille de l'accouchement, quand on arrive à l'hôpital, le médecin, lorsqu'il a fait le diagnostic, il a constaté que l'enfant avait une position transversale. Donc, il n'y avait pas moyen de sortir par la voie normale, comme les femmes accouchent aussi naturellement. Et non seulement la position transversale, il avait le cordon avait enroulé son cou. Et également, il buvait comment on appelle ça, le terme médical, c'est le liquide. Voilà, donc il buvait le liquide. Et quand le médecin m'a appelé, m'a dit, je remets tout ça entre les mains du Seigneur Jésus. Et il me dit, il faut l'opération urgente. Voilà, l'opération urgente. Sinon, soit l'enfant va partir, ou soit elle va partir. Alléluia. Parce que le Seigneur est fidèle. Quand nous sommes donc arrivés, ils ont fait l'opération et le Seigneur a pourvu, et aussi par la prière des uns et des autres, l'opération s'est bien passée et après nous sommes rentrés. Donc c'était depuis le 9 mars 2024 que l'opération s'est faite. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes donc devant vous et votre fils. Et avec le nom de l'ami, à vous, avec le nom de l'Alléluia. C'est un futur serviteur de Dieu. Et l'enfant a été vraiment beaucoup compatible. Alléluia. C'est la même annonce quand Jésus-Christ est né. Jésus-Christ a été beaucoup compatible. Parce que le diable a suscité le roi Hérode pour pouvoir éliminer Jésus-Christ. Au point où il a organisé, c'est-à-dire une tuerie, massacre de tous les enfants de son âge pour pouvoir l'éliminer. Mais la main de Dieu était sur lui. Parce que c'est Dieu lui-même qui était né. Alléluia. Et de la même manière, le Seigneur Jésus a étendu sa main puissante sur lui.
Et l'enfant se porte bien, il va grandir dans la voie du Seigneur. Il a le sang du Seigneur Jésus. Il va servir le Seigneur Jésus et son vivant comme son nom du Christ. Parce qu'Abel Nebo est un grand. Comme vous voyez l'histoire d'Abel Nebo dans la Bible, c'est des gens de grande foi. Alléluia. Les gens qui ont défié la royauté, le royaume de Nebuchadnezzar. Par la foi, par le. Intégrité et par l'indétermination. Alléluia. C'était pas que le toi qui servait Dieu, parce qu'il y avait beaucoup d'Israélites en ces temps, mais par leur foi, ils sont démontrés et devant le ciel et devant les hommes au roi Nebuchadnezzar, que eux, ils servent le Dieu vivant. Alléluia. Il va servir le Dieu vivant avec grande foi, avec courage, avec intégrité et avec loyauté. Voilà la signification de son nom. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est une joie pour moi de me tenir debout cet après-midi. Vraiment, je rends grâce à mon Dieu et je bénis le nom de l'Éternel de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur, c'est lui qui m'avait gardé pendant le 9 mois et j'ai accouché. Même l'ennemi ne voulait pas que cet enfant naisse, mais le Seigneur a décidé que non, c'est Dieu qui t'a donné. Donc cet enfant va sortir, même fait comment, cet enfant va sortir. Même lorsque je suis passée par le césarien, malgré la douleur, tout ça, mais le Seigneur ne m'a pas laissé. Il m'a accordé la guérison, même aussi de Dieu. Et j'ai béni également le nom de l'Éternel pour tous les servantes, tous les frères, les sœurs, même les hommes de Dieu, celles-là qui m'ont aidé, même dans, malgré été dans mon état, les Seigneurs ont touché leur cœur, ils m'ont aidé dans, étant à l'hôpital, ont assisté, même à la maison. Même tout ce qu'ils ont fait pour moi, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse vraiment ses servantes, ses serviteurs aussi, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Ma joie est débordée. Maman, elle veut chanter un cœur, ses chants, puis du. Je vais te louer dans ma vie. Je veux te louer. Je vais te louer dans ma vie. Je veux te louer. 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 Je vais te louer dans ma vie.
s'est réjoui, n'est-ce pas? Est-ce que c'est déjà fini? Ce n'est pas encore fini. La Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Gloire à Jésus. Vous allez donc préparer. Alléluia. Préparez-nous un panier. Gloire à Jésus. Préparez-nous un panier. C'est que le Seigneur t'a mis à cœur. Alléluia. De venir donner. Alléluia. Au couple. Tu vas l'amener, que ce soit en nature ou en espèce. Alléluia. Amen. Tu dois amener cela avec joie. Gloire à Jésus. Amen. En sautant. Alléluia. Cherchez-nous un panier. Déjà, pourquoi le silence? Financièrement,
soit trempé dans ton sang. Seigneur, je consacre tout cet temps dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tout ce que l'ennemi prépare pour capturer spirituellement cet homme soit annulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour chaque main qui de tout leur cœur, qui de tout son cœur a soutenu ton serviteur et son épouse. Je prie à ce que cette main ne reste point vide. C'est pourquoi je te prie de bénir, Seigneur Jésus, toutes les mains qui ont déposé, toutes les mains qui ont contribué pour le soutien de ton serviteur et son épouse. Père, je prie aussi pour ceux-là qui n'ont pas pu le faire. S'ils n'ont pas pu le faire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais certainement parce qu'ils n'avaient pas. Je te prie de les bénir également afin que prochainement, ils puissent aussi soutenir. Amen. Seigneur Jésus, je te dis grandement merci. Bénis cela, bénis cet temps par ton sang. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus te visite aussi maintenant et tu reçois ton témoignage au nom puissant de Jésus. Dis un grand Amen si tu crois.